Hello, hello, my beautiful people! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Maggie Closette. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes hyper, méga, super, super bien, les amis. La vie est trop belle, alors souriez! Bon, je vous retrouve pour une autre vidéo. Look, book. Je sais que vous aimez bien mes vidéos de mode, hein, donc moi ça me donne vraiment envie d'en faire plus souvent. Si je pouvais faire une vidéo lookbook chaque jour, je le ferais, mais c'est tellement de travail. C'est tellement de travail, vous n'avez vraiment, vraiment aucune idée. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lookbook, mais avant je fais d'abord ma petite pub là. Je porte Foxy Brown, là je la porte de son côté comme elle doit être portée, comme elle arrive, parce que j'avais fait la revue de Foxy Brown, mais j'avais mis au milieu, donc là c'est comme ça, elle vient avec la forme sur le côté et un léger swoop là. Side. Bref, donc aujourd'hui, je vais vous présenter 10 tenues à couper le souffle. Et la particularité de ce lookbook, c'est que j'ai osé, cette fois-ci, j'ai osé les couleurs. Parce que celles qui savent, là, j'ai souvent du mal à mettre des couleurs. Je vais beaucoup dans le neutre. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de vraiment aller doser. J'ai mis au moins une touche fluo. Enfin, sur quasiment toutes les tenues, j'ai mis une touche fluo. Et donc, laissez-moi savoir en commentaire si vous appréciez, comment est-ce que vous trouvez, quelle est la tenue que vous préférez. Et suivez-moi sur Instagram, on va commencer maintenant. Et il y a un code promo, hein. Allez voir dans la barre d'infos, Je mets toujours tous les liens des articles que je porte. Si je ne trouve plus les liens, ben, je mettrai le lien n'existe plus, tout simplement. Première tenue. Bon, alors là, c'est un look un petit peu masculin, féminin. Donc, j'ai enfilé la chemise, j'ai retroussé les manches. Hein, donc, si vous remarquez bien, j'ai retroussé les manches pour donner de l'allure et du style à la tenue. Bon, j'ai mis quelques petites boucles d'oreilles et tout. Et la touche fluo du look, ce sont les chaussures. J'adore ces chaussures. Elles sont canon, elles sont confortables, elles sont superbes. Ay caramba! Next! Bon, alors là, j'ai un look totalement coloré. C'est un orange rouge pêche un peu. Je sais pas comment décrire cette couleur, mais c'est super beau. Donc là, j'ai ajusté la luminosité pour qu'on voit mieux. Donc là, exactement, voici comment est-ce que la couleur est. Elle est super belle. Donc le look est monochromatique. Je suis allée toujours avec les mêmes chaussures qui sont en velours et PVC transparente. Et voilà, superbe, canon! Prochaine tenue, ouh, jaune poussin avec les manches là, qui font un peu, je sais pas, latin, les petits chanteurs avec les guitares là, latino là, oh j'adore, caramba. Donc encore un look monochromatique, j'ai mis des chaussures, des sandales ouvertes, jaune, j'ai mis mon petit sac panier que j'adore, il est super beau, c'est le genre de sac que tu portes, on a l'impression que tu sais exactement ce que tu fais en fait, parce que c'est pas n'importe qui porte ce genre de sac, aussi bien, hey. Next! Bon, ça c'est un look un peu, je dirais, fille d'honneur, hein, oui. Et encore une fois, j'ai opté pour des chaussures PVC noires. Oh, j'adore ce style de chaussures, je trouve que c'est tellement, c'est versatile, ça va avec tellement de choses et ça habille totalement le look. Donc, c'est un look assez fille d'honneur, hein, c'est la saison des mariages, donc pourquoi pas? Ah, super beau, chic! Prochaine tenue. Bon, on revient encore avec une couleur orange, toujours. Enfin, un peu, c'est une variante différente quand même de la robe de tantôt. Et j'ai mis des boucles d'oreilles panthères et je suis revenue encore avec les chaussures, les mêmes. Hein. Donc, rouge, orange, un peu PVC, parfaite. Le look très, très simple. Mon sac favori, vous le connaissez déjà. En cuir box, il est canon ce sac. Et des lunettes pour terminer ce look. Aïe aïe. Next,
c'est bon. Ça, c'est un look hein, qui, j'ai l'impression que ça donne un style hein, parisien, oui. Il est super beau, les détails, oh, les motifs de la robe, le col montant bleu. Oh, cette robe est super belle, les fentes sur les côtés, canon. Et j'ai ajouté cette fois-ci des chaussures, toujours sandales ouvertes, grises, métallisées. Et j'ai décidé d'aller avec un sac qui allait, mariait bien, donc toujours métallisé. Et voilà! Yes! Prochaine tenue, du rose, ouh, et la ceinture qui, oh, j'adore les looks ceinturés, vous me connaissez déjà, j'adore les looks ceinturés, je trouve que ça affine la taille, c'est parfait, et encore une fois, des chaussures, hein, vous remarquez, c'est quasiment le même style de chaussures que je porte, moi j'aime vraiment rester dans le classique, très simple, basique et chic. Prochaine tenue. Bon, ça, c'est un look qui va être assez mitigé, je pense, de l'autre côté, parce que c'est un look qui donne, qui vieillit un peu. Il vieillit un peu, mais j'adore. Oh, avec la ceinture, je kiffe. Oh, la touche de couleur, les chaussures, le sac en panier bambou. Oh, j'adore le look. J'adore. Prochaine tenue, encore une robe. Ouh, c'est l'été, hein? Léger. Oh, cette robe est trop belle. Elle est trop, trop belle. J'ai décidé de rajouter une ceinture pour donner de l'allure, hein, de la dimension à mon corps. Et j'adore. Je suis toujours allée avec les mêmes chaussures. Oh, c'est trop beau. C'est un look tellement élégant, tellement classe. C'est parfait. J'adore. Dernière tenue, bon, ça c'est un look très classique, très simple, un look de tous les jours, vous pouvez porter ça en journée, voilà, très très simple, plutôt monochromatique, on va dans les tons beige, marron très très clair, c'est super beau, j'adore, et mon sac Chanel que je kiffe à mort pour terminer le look. Et j'oubliais une petite touche piquante là, avec les boucles d'oreilles. Donc laissez-moi savoir en commentaire quelle est la tenue que vous avez préférée. Voilà, voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Hein. Pour celles qui veulent savoir comment est-ce que moi je fais pour choisir ma taille, parce qu'il y a des vêtements que je prends en taille M, d'autres je prends en taille L, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc cliquez là en haut, ici, oui c'est là, cliquez là en haut sur le petit i qui va s'afficher à l'écran. Et également les délais de livraison, j'avais tout expliqué dans la vidéo. Alors cette fois-ci, j'ai même reçu comme en une semaine et demie, j'étais trop choquée et trop contente. Si vous avez aimé, hein, suivez-moi sur Instagram, laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, hein, cliquez là en bas sur s'abonner en français ou subscribe en anglais et surtout, surtout, activez la notification pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve très, très, très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye, bye.